Jamais abandonné, jamais et jamais. Moi, c'est un neveu qui te parle. Aujourd'hui, je suis resté au milieu de toutes ces femmes-là. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète passant puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Dire l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant entre nous, tandis qu'il nous disait les Écritures. À l'instant même, ils se retournèrent à Jérusalem. Et ils y trouvèrent réunis leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Je vais prendre un texte qu'on aime beaucoup à la communauté Emmaüs à Saint-Brieuc et qu'on lit régulièrement dans les églises, qui est le texte d'Emmaüs qu'a choisi le l'abbé Pierre quand elle a créé les communautés Emmaüs. C'était un signe d'espoir, c'est le Christ qui accompagne. Je vous propose qu'on fasse vraiment un temps de silence pour se rappeler tout ce que nous avons vécu de beau, de bien avec Jean Didier.
aujourd'hui tu pars. Nous sommes restés. Il y a une chose, il faut bien souligner, on t'a jamais abandonné dans cette ville. On t'a jamais abandonné, jamais. Jamais. Et je travaille à la communauté d'Emmaüs de Saint-Brieuc. Je suis diacre et donc j'ai bien connu Jean Didier. Alors je vous propose qu'on fasse d'abord le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jean Didier, aujourd'hui, tous tes amis ici sont réunis autour de toi. Ta famille, tes amis, mais aussi tous tes collègues. Tous tes collègues compagnons d'Emmaüs et compagnes d'Emmaüs qui ont travaillé avec toi. Nous sommes tous abattus. Nous avons subi ton décès. Nous ne s'attendait pas à ça. Et nous allons te confier au Seigneur. Je vais prendre un texte qu'on aime beaucoup à la communauté Emmaüs à Saint-Brieuc et qu'on lit régulièrement dans les églises.
qui est le texte d'Emmaüs, qu'a choisi le l'abbé Pierre quand elle a créé les communautés Emmaüs. C'était un signe d'espoir, c'est le Christ qui accompagne les disciples alors qu'ils ne le reconnaissent pas. Et donc le Christ aujourd'hui aussi accompagne notre frère Jean Didier. Évangile selon saint Luc. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète passant puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision. Des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé toutes les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse, de tous les prophètes, il leur interpréta toute écriture, ce qui les concernait. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Quand il fut à table, avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. À ce moment-là, à leurs yeux, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant entre nous, tandis qu'il nous disait les Écritures. À l'instant même, ils se retournèrent à Jérusalem et ils y trouvèrent réunis leurs compagnons qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur leur a été reconnu par eux à la façon du pain. Dans ce texte, on nous dit le Seigneur est réellement ressuscité. Oui, le Seigneur est ressuscité. Et Jean Didier, je suis allé dans sa chambre, après son décès, il avait à côté de lui un crucifix et la Vierge. Jean Didier croyait, avait la foi à sa façon, et il croyait sans doute au Jésus ressuscité s'il avait ce crucifix dans sa chambre. Et donc, Jean Didier a rejoint le Père, et aussi il ressuscitera avec lui. Je vous propose
qu'on fasse vraiment un temps de silence pour se rappeler tout ce que nous avons vécu de beau, de bien avec Jean Didier. Et nous allons pouvoir dire maintenant la prière des chrétiens. La prière que Jean Didier a sans doute dit avec vous, sa famille, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au bord de la croix, il y avait Marie, la mère de Jésus. Et Marie, elle a vu son fils mourir. C'était une maman. Et donc, on va pouvoir prier Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Jean Didier, tu étais baptisé, tu es rentré dans l'église. Et en signe de cette foi, je vais bénir ton corps. Je bénis le corps de Jean Didier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Jean Didier repose dans la paix du Christ. Amen. Je voulais bénir le corps de Jean Didier. Maria,
Papa, 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 papa
Appelle-toi, Dieu. Appelle-toi. Thank you.
Quitana, 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 qu
baisse beaucoup tard. Et comme tu le sais toujours, c'est toujours ma sainte. Aujourd'hui, tu pars. Nous sommes restés. Il y a une chose, il faut bien souligner, on t'a jamais abandonné dans cette ville. On t'a jamais abandonné, jamais. Jamais. Nous savons tous que dans chaque famille, il y a toujours des couacs. Mais sache-le que on t'aimait fort. On t'aimait. De loin, on prenait des nouvelles. Même si de temps en temps, on ne t'appelait pas, mais sache-le qu'on t'aimait très fort. Aujourd'hui, tu es parti. Nous sommes restés. Prenons note. Sachez-le que la terre nous appartient à tous. Et Nabou Botelang, Rana Bo et Nabou Matou, et nous Botesa, vous êtes tous chéris. Tadjata, nous sommes tous dans le Sachez-le une chose, on ne t'a jamais abandonné. Jamais et jamais. Moi, c'est un neveu qui te parle. Aujourd'hui, je suis resté au milieu de toutes ces femmes-là. On était deux. Quand tu es arrivé en France, je suis allé te récupérer à Paris, je te ramène chez moi, c'était Étienne. Et puis te retrouver ici. Je t'avais dit, dès ton arrivée, l'oncle, tu as plutôt beau, bala, bakal. Tu es bingi, plutôt bakala, baké. Quand tu es parti, moi je suis resté. Et je continuerai toujours à diriger la famille. Sache quand on est très fort, repose en paix, l'oncle. Que la terre te soit légère. Aujourd'hui, si connaissant ton adresse, c'est aujourd'hui, c'est ici ton adresse. On viendra toujours te rendre visite. Je te laisse là-bas comme ça va. Si ton âge repose en paix, l'enfant, il y en a beaucoup. Eh, l'aigle n'a gagné. Eh, mon bébé, yaya. Eh, Jacquito. Je ne comprends pas. Je ne peux pas avoir un tas de beauté. Je ne peux pas dire que je t'aime. Mais Marianne, je ne peux pas. Je ne sais pas quoi dire. Encore plein de souvenirs. Il y a trop de souvenirs. Tonton. Je me rappelle encore les souvenirs. Jolicia et les années. Jolicia, si on va te réavouer, les années. Bouillant, tonton, tout de suite, chérie, tonton. Notre climature, tonton, tu nous as laissé, tonton, trop de souvenirs, je ne sais pas quoi dire. Repose en paix, on t'aime très fort. Repose en paix, tonton.